Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du coup du let's play découverte sur décoration d'intérieur. Nous sommes actuellement en live sur Twitch et j'ai voulu faire ça coucou en live. YouTube. La suite de ce let's play en live parce que je n'ai pas le temps d'enregistrer d'autres épisodes ni de faire le montage derrière. Donc je me suis dit que ça allait être beaucoup plus sympa et interactif de faire ça en live. Et du coup bah on va découper ce petit live et chaque mission en petits épisodes que je vais disséminer un petit peu sur la chaîne. Donc vous avez le chat qui vous dit bonjour, n'hésitez pas à nous rejoindre également. Il y a beaucoup de lives qui se font assez régulièrement quand même, avec des horaires très précis. Donc n'hésitez pas à passer, c'est gratuit, c'est comme YouTube. Voilà. On retrouve notre ami Kurt qui a sa mission dans une heure. Donc ce qu'il va faire, c'est il va se préparer tout simplement. Voilà, il va se préparer. Alors la veille, là on vient de jouer tout ça, et la veille il a rencontré quelqu'un d'assez sympathique, hein. Une petite, une certaine Astrée Weiss, vous connaissez ou pas? Il me semble que vous l'avez déjà vue. Voilà, il l'a rencontrée, bien mignonne, bien sympa. En tout cas, il aime pas les enfants, donc il lui en fera pas. C'est dommage, elle aura pas de famille, Astrée. C'est bien dommage. Je sais pas s'il aura le temps de bouffer un petit peu quand même. Une petite salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Et après, on va se mettre à travailler. Donc le programme que l'on va faire, c'est qu'aujourd'hui je vais essayer de respecter les demandes de la famille et du client pour la mission. Mais aussi on va faire, parce que ça m'a été demandé, hop là on est parti, on va faire une mission complètement à l'encontre de ce que le client demande. Enfin, s'il n'aime pas le rouge, ben on va faire tout du rouge. Juste pour voir ce que ça fait et pour jouer les thugs un petit peu. On rigole bien ici, nous sommes des merveilles malvoyantes. Malvoyantes. Oh la vache! Eh ben, c'est qu'il y en a du monde dans cette maison, dis donc. Oh bah, et puis ils sont tous... Oh là 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 là, la tronche. Ils ont l'air d'être heureux de vivre. Oh là là, il y a un problème. Il y a eu un prêt de gros sur les yeux fermés ou comment ça se passe? Bah, tu me diras, même Kurt, il a les yeux fermés. Ok, donc c'est la maison à Soulani que nous allons découvrir et retaper. Et ça, c'est cool. Tu vas frapper à la porte. On va déjà y aller. Donc, alors, je sais pas ce qu'ils considèrent comme pièce, mais on fera pas ça parce que c'est beaucoup trop. On pourra faire soit ici. Ça peut être sympa de faire. Là, on pourrait faire... En vrai, on pourrait faire deux chambres. Même, je dirais. Une chambre, mais avec deux espaces. Après, avec 8000, on peut pas aller loin. Sinon, cette salle de bain ou cette chambre-là. Voilà, c'est pas... Hein, bon, on va voir ce qu'on peut. Hein. Et puis, on va demander à nos petits... faire partir le client. Non, 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 non. On va demander à nos clients. Par contre, on va devoir demander à chaque habitant son avis. Ça va être long. Ça va être affreux. Non! Pourquoi je clique là-dessus, moi? C'est pas possible. Tu veux déjà discuter avec les gens? On va discuter avec les gens. Sula. Ah, Soso! Elle a dit Sula comme Sulani. Lol. Quelle est l'aide celle-là? Ah non, mais c'est des prix de beauté, dis donc. Encore celle-ci, elle s'en sort à peu près. Le reste, bon... Oh là, j'ai pas envie de la croiser dans une rue déserte. Hein. C'est bon, bonjour, enchanté. Ouais, mais à chaque fois, il y a un gamin dans toutes les maisons dans lesquelles on vint. L'enfer. L'enfer. Bon, tu te présentes ou tu brodes là? Oh la vache. C'est bon? Ouais, soul, tout ça. Captain Tintin. Yazub, Bimbus. Ah, enfin. Enfin, on peut commencer à discuter boulot, quoi. Oui, mais pourquoi il y a toujours un gosse dans les familles? C'est pas drôle. Demander à voir les inspirations. Ouais, Soul. C'est bon? Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai déjà fait ça.
Bon, si t'arrives à t'en sortir, Kurt, tu es l'homme idéal. Ils méditent tous. Bah, si la théorie de Paulinette est correcte, tu n'auras pas le choix de la pièce. Donc il faut que ça mène... Alors, s'il y a une des théories, comme quoi, on saurait quelle pièce est à rénover si quand je vends les meubles, je ne gagne pas d'argent dans le budget. C'est ça, hein, le truc, c'est qu'on gagne pas d'argent, c'est ça le truc. Donc, bah, je préférais qu'on se tape pas la cuisine et le truc là, parce que c'est très très grand. Avec 8000, c'est quand même bon, voilà. Hein. Puis la cuisine, ça va, elle est pas dégueulasse. Hein. Ils ont pas vu la mienne. Aïe 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 aïe. Il y a 10 millions de personnes! Regardez déjà, ils galèrent juste à dire bonjour, mais comment on va faire? Mais là, elle est en chaleur, mais c'est une. T'es une ado. Tu vas te calmer les hormones, là. Ok, ça c'est fait. Ah, voilà, il va commencer à apprendre des choses. Oh, on n'aime pas le vert. C'est pour ça que t'as un maillot de bain avec du vert. D'accord. Tu regardes ça comme ça, toi. Yep. Ouais, le print, tout ça. Ouais, d'accord, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Pas sur, sur les autres trucs. Ah! M recherche et débat. C'est pour me rattraper de la première mission que j'ai ratée, je crois. Et elle est buggée, elle. Vous croyez qu'elle est morte? Elle bouge légèrement. J'ai envie de la secouer. Donc pas de plante. Ah non. Ah non. Non, il y aura des plantes. C'est pas grave. Ah, il n'aime pas le bleu. T'es habillé en bleu. Et vert. T'habites au bord de la mer, y'a du bleu et du vert, mais wesh! C'est mon con! Alors, on va questionner ça, par exemple, examiner plantes, voilà machin, on va voir s'ils aiment bien les plantes. Enfin, là, y'a du vert aussi. Tu vas. Là, y'a du vert aussi! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La logique est de mise, dis donc. Oui, les avant après, ouais, quand on aura trouvé la pièce, ouais. Est-ce que j'ai oublié le avant? Moi, je prends l'habitude, moi. Tabarnak. Ah, donc il a posé la question pour la plante. Vous pouvez se poser la question. Oh là là, mais il y a tellement de monde, ça va être un enfer. Bon, va regarder le canapé, là, maintenant. Attendez. Ça kiffe ou ça kiffe pas la plante, là? Ils savent pas? On sait pas pour le canapé? Elle aime pas. Ok, donc il faudrait que je change de canapé. Ça. Parce que ça, j'avais pas capté qu'on pouvait faire ça. En vrai, ça peut aider. Hein. Alors, est-ce qu'on aime la table basse comme ça, les enfants? Est-ce qu'ils aiment? En même temps, si tu l'as chez toi, c'est que tu l'as aimé à un moment, quoi. Non? Alors? Ça ne me... Non, on me dit rien. Bah, démerde-toi, écoute, Kurt. Hein. Je sais pas, moi. Là, il y a du bleu. D'où ils aiment pas le bleu. I don't understand. Ah, mais ils ont toute leur chaleur, les meufs, là-dedans. C'est Soulani, hein. Ça... C'est les chaleurs de Soulani. Hein. Ok. Tu vas aller rapidement voir le lit, là, aussi. Sinon, on peut se taper une salle de bain. Hein. Ils nous disent plus rien, là, en fait. On se démerde, c'est ça? Ils nous donnent plus d'indices. Oh.
Ouais, en vrai, ils s'en battent les reins, là, maintenant. Et là, t'as un lit bleu. Et putain, mais comment ils font pour être autant? Eh non, mais sérieusement, on va faire des dortoirs, hein, c'est pas possible, hein. Ils sont cons, Cécile. Qu'est-ce qu'elle fait à monter là-haut, elle? Alors, est-ce qu'on aime le lit? Le gamin est parti sous le lit, sous la couette, pour se toucher ou quoi? Bon, bah, on sait pas, hein, on sait pas. Alors, est-ce que vous voulez... On va faire partir, et puis c'est pas grave. Est-ce qu'on fait la chambre du bas, la chambre du haut? Je pense la chambre du bas, parce que vu qu'il y a beaucoup de monde à faire dormir, en vrai, on peut se faire un petit truc sympa. Enfin, on va voir hein, si c'est cette plante... Tu vas sortir. Ah! Oui, alors non, attendez. Ne vous inquiétez pas, on va le faire sortir. Je vais aller... Là. Donc ici, j'ai bien les restrictions. On les voit bien au-dessus de ma tête. Alors, je suis très blanche. Voilà. Ça change pas d'habitude, mais... On va tester! Donc, c'est pas cette pièce-là. C'est pas cette pièce-là. Photo. Oui, mais là je teste quelle pièce c'est les enfants avant. C'est pas ça non plus. Ah, j'ai le jeu qui se met à ramer. Ben écoutez, il y a d'autres pièces dans cette maison que je n'ai point vues ou quoi? Bon bah non. La théorie ne fonctionne pas. Hein. La théorie ne fonctionne pas. Aller en mode construction et faire les rénovations. Non mais on n'a pas fini Jean-Claude. Ouais, le jeu me rame et ça m'énerve. Donc je vais enregistrer. Partie nagiste, idiot. Cette théorie n'a pas l'air de porter ses fruits. Visage de l'incompréhension. Bah oui, bah écoutez... J'essaye, hein, donc bon, bah, moi je vais partir là-dessus. On va venir ici. Tu vas venir là. Photo avant. À la limite, là, on pourra vraiment faire un coin de. Lit de place. Et après, deux fois un lit, une place. En vrai, ça peut être vraiment cool. Alors. Magnifique, ma chérie. Ouais, comme ça, c'est bien. Hop, on va faire ça. Ouais mince, j'aurais dû... non, vas-y. Reprendre ici, voilà. De toute façon, il nous en demande d'en faire trois. Donc je vais essayer de faire les trois, parce qu'on va prendre genre là, comme ça. Et après, je vais aller dans l'autre côté. Là. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oui, on peut faire les lits superposés, sinon, ouais, complètement. Merci, Senana. Et voyez, ici, on peut... tac. Sachant qu'on peut bouger. Hein. Vous pouvez bouger aussi pour donner de l'ampleur. Voilà, j'ai trois photos. Eh, Jean-Claude, bouge. Et puis on va être parti. On va rénover. Donc ben je suis désolée mais je vais gagner de l'argent sans doute. Dans le budget. 90. On vire tout. On vire tout. Comme on est sage, on va pas faire de bleu ni de vert. Faut que je réfléchisse parce que si on fait un coin avec chambre double, pas ici. Ici, c'est quand même, il y a du passage là, il y a du passage là. Donc, faut réfléchir, faut réfléchir. Là, je vais mettre ça.
Mais j'ai pas allumé derrière moi. Je reviens tout de suite. Du rose. Hop. Bah en fait je suis en mode construit donc tu vois je fais ce que je veux en vrai. En vrai je fais ce que je veux. Alors recherche et débat. Ah et quand tu cliques dessus ça met tout de suite les trucs. Oh. Mais pourquoi il y a moins de choses d'un coup? C'est complètement débile. Tout à l'heure, il y en avait plus. Non mais, on va pas mettre ça dans la chambre. C'est complètement con. Mais c'est moche. Coucou Elisa, comment vas-tu? J'ai sélectionné vert. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, ok, allez. Allez, allez. Allez, le stade, allez, comme on dit. On va choisir un lit. Un lit de place. Déjà, pour commencer. Parce qu'ils sont beaucoup dans cette maison et je voudrais quand même leur ajouter des lits parce que sinon c'est pas sympa. On va mettre des nouveaux lits, on va pas se... Hein 950, 1125. Ils sont chers quand même. En vrai, je pense que je vais prendre le lit double, celui-là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Le petit guéri, oh, je l'aime trop. Bon, là, il est trop gros pour passer. Ça, est-ce que ça peut passer? Non, c'est trop gros également. J'ai l'impression qu'il fait nuit, là, d'un coup. Il n'y a plus de soleil qui rentre, du coup, j'ai fait nuit. Merci Toundra, j'avais pas vu que ça sélectionnait. Table basse. Parce qu'en vrai. En vrai, je vais faire un coin. Je voulais faire un coin ordinateur, mais ce sera ordinateur. Ah oui, regardez, c'est parfait ça. Ce sera un coin ordinateur et. Et recherche et débat là, je sais pas quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, ça va. Je vais quand même rajouter de la lumière. On va essayer de pas trop être lent. Alors, en couleur, du bleu, évidemment. Ou du vert. On peut faire rose. Ah, on va faire jaune. Ça va être sympa. Jaune et gris. Et pas jaune iris. Après le meuble sont en bois comme ça. Ouais c'est pas mal. Le jaune est cute. On est déjà à 1300 sur 10 000. Ça va, on a 10 000 de thunas. Je pensais mettre une sorte de paravent. Est-ce qu'on peut mettre des murs et tout? On peut mettre des murs. Non, on peut pas. On peut pas faire de mur. Voilà, vous le saurez, on peut pas faire de mur. Donc, paravent. Pour séparer un peu, pour faire crac-crac si on a envie de faire crac-crac. Évidemment, qui n'a pas envie de faire crac-crac dans les Sims? J'allais mettre crac-crac, mais c'est pas avant que je... Ah non, c'est là! Oh là là! Ça, c'est à cause de The Tenants. Je sais plus où écrire ce que je veux. Bah oui, puis j'avais en tête un des paravents, mais de The Tenants. D'accord. Oh ouais, c'est pas mal ça. Avec un lit ici superposé. Deux couchages. Un petit fauteuil là, tout ça. Il y a moyen qu'on fasse un truc sympa. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ah mais oui, bien sûr qu'il est parfait pour la déco, il est fait pour. Au moins qu'il n'aime... On se laisse pas... Oh là là.
Oh là là, tu veux rajouter un ban de plus, Sanana? On sait plus, hein, ça compte plus maintenant. Attends, je te compte. Attends, t'es à... Ouh là là, attends, il faut que je... Merde! Qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué sur ton truc. Ouais, non, 99 plus, hein, je ne sais pas à combien tu es. Ouais, la musique est un peu forte, moi aussi, elle est un peu forte dans mes oreilles. Je vais baisser un peu le son dans mon casque. Ça va baisser peut-être pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Alors, oui, tac, 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 tac. Tic-touc, tac. Ah, on va choisir hein, forcément un lit superposé et double. Parce que en fait, ils nous ont pas mis des doubles. Parce que c'est à nous de mettre le deuxième lit qu'on veut. On pourrait en mettre deux différents. On va mettre un jaune. Les deux jaunes comme ça, vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Ça reste dans la même teinte de jaune. Sachant que jaune, c'est ni vert ni bleu. Ça va? Quoi, Shirley n'aime pas ton pseudo. Mais c'est pas ça! Oh là là, je voulais que j'aimais pas. Ah non, mais oui, Guillaume. T'étais pas avec nous hier, Guillaume. T'as pas regardé la découverte avec nous hier, parce que même moi j'ai halluciné en fait, j'avais pas tout vu les objets. Et on était quoi? Mais il y a tellement de lits! Mais ça n'en finit plus! T'as 40 000 tables basses aussi! Et bah oui, ça tape dans mon plafond pour changer. Ouais, donc je pense que c'est pas mal comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne vois plus. Il y a celui-là. Il y en a tellement. On met lequel? Les autres sont vachement plus flash en vrai. Oh, attendez. C'est pas le même bois. Ouais, je vous ai entendu. Je vous ai entendu, pas la peine de râler. Je vous ai entendu. Alors, on va tous les mettre en jaune. Oh, là, il y a la petite teinte et tout. Là, oh, là, 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 là. J'ai envie de mettre lui. Attends. Celui-là, j'aime bien. Hein. Mais lui permettrait d'avoir une petite touche en plus. Et lui, on peut peut-être. On va rester en jaune. Si vous en dites. Salut River Jazz, comment vas-tu? Mais oui, les tables basses sont même de la bonne taille. Oui, il y a des petites tables basses, elles étaient trop cute. T'avais pas envie de te spoil. Bah, oui, c'est un spoil en un certain sens. Mais après, ça, t'es sûr ou... Mais de toute façon, si t'es sûr déjà de l'acheter, comme moi, j'étais tout le temps sûr d'acheter les packs, quoi. Bon, allez, on va aller de celui-là. Il est trop cute, comme ça, on pourra rajouter un petit peu de... Je regarde, j'ai peur de rose. C'est bon, ça passe le rose, les enfants. Rose un peu légèrement, comment ça s'appelle, orangé quoi. Petite commode. Écoutez, on va faire un truc. Là, j'avais dit fauteuil. Là, il y a les fenêtres. Et moi, j'aime pas mettre des trucs devant les fenêtres. Toi-même, tu sais. Ah, je vais mettre avec du blanc. C'est beaucoup plus cute. Ça, on va les utiliser. Par contre, c'est où, hein? Voilà, parfait. Je vais mettre comme ça. Oh la vache. Il y a tellement de choses. Ouais, bah écoutez, on va utiliser le pack exprès. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on l'a pas utilisé. Ah, ou alors on met les dressings. On met ça. Ou les arrondis. Ah oui, c'est vrai que j'ai tout supprimé. Ah non, il y a les trucs des fenêtres qui passent à travers.
Ah, par contre, c'est vissé au mur, quoi, le bazar. Ah, la vache. J'arrive pas à le décoller du mur. Je peux pas le bouger du mur, en fait. C'est bien dommage. On va mettre des paniers. Des petits paniers. Avec du verre. Ah non, ça c'est du... Oui, c'est ça que je voulais. C'est rose, ça? Non, c'est rose, ça. Je croyais que j'avais... C'est bien. C'est pas ni vert, ni bleu. Si, c'est rose, ça, quoi. Donc ça, c'est la même teinte. Ok. Non, non, alors, ça existe pas à 15 euros Toundra. C'est 5, 10, 20 ou 40. Et ça a 20 balles. 19h pile, j'ai payé. Je le voulais coûte que coûte. Ah non, mais t'as raison. Tu préfères les deux jaunes moins flash? Bon. Merci Marine pour le follow, l'abonnement YouTube, pardon. Vous pouvez aussi follow, hein, c'est gratuit. Alors, c'est ça que je voulais. Il y a du bleu dedans. J'ai peur, moi. Voilà, on va mettre ça. Et merci Rika pour ton follow et bienvenue à toi. Merci beaucoup. Parce que dès que je vais voir un truc bleu ou vert, je vais me dire, ben non, ça marche pas. Est-ce que comme ça, ça passe ou pas? C'est bizarre. C'est bizarre. Le truc qui passe à travers. Ouais, ça passe, hein. C'est un peu juste, mais ça passe. On va le mettre dans ces couleurs-là. C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est bizarre ou pas? Ouais, non, mais ça part dans le plafond, en fait. On va abandonner ça. C'est pas grave. On va mettre la petite loupiote, là, au-dessus, comme ça. Là. Elle est très mignonne. Ça fonctionne. Voilà. La petite loupiote. On va mettre un tapis parce que c'est super les tapis. On aime bien ça aussi. Mais on peut le mettre celui-là? Niveau 5. Ah bah oui, non, j'allais te dire. Je crois que j'ai déjà essayé en plus. Badalala. Je suis déjà à 3000 de budget. Ouais, mais c'est choupinet, ça va. Qu'est-ce qu'on va mettre ce truc-là en décoration. En jaune. Peut-être la... Peut-être le rétrécir un peu, voilà. Ici, je vais rejouer le petit casier en table de nuit, en guise de table de nuit. Ah! Est-ce que je clôture de l'autre côté par le paravent également? Pour donner vraiment un petit coin de nuit. Un peu moins ouvert. Je suis paumée avec les kits machin truc et les prix. Oh mais non, t'inquiète. J'attends que monsieur rentre, mais le live sur ma tablette, je joue en même temps avec le nouveau pack. Bah t'as raison, vas-y. En vrai ça va les deux lits simples, mais il me semble que le lit simple du dessus c'est le même que deux places. Oui, complètement Toundra. Ouais mais en fait je suis en train de me dire ça fait peut-être un peu trop. Mais c'est vous me disiez rien. Voilà, bah je supprime tout avec vous, connu. Voilà. Moi, je vais faire des bêtises. Nous avons
C'est, en fait, c'était. Sinon, c'est pas le même bois. C'est pour ça. Moi, c'est plus le bois qui me titille, tu vois. Ah, attends. Celui-là, ça allait au niveau du bois. On va faire ça. On va partir là-dessus. Et merci, Emmerich, pour ton follow. Bienvenue à toi. On va partir sur celui-là. C'est pas le même motif, mais ça reste jaune. Et l'autre, c'était... C'est pas celui-là ? Oh là là ! Je suis perdue, il y a trop de trucs. Mais c'est... Ça fait trois motifs différents. On est bien ? On est d'accord ? Ça, c'est... Il est vraiment trop cute, ce truc. Je l'adore. Je le trouve trop choupi. Voilà, on va le mettre là. C'est parce que pourquoi pas. Comment ça se passe pour le métier ? Je veux dire, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est ludique ou pas ? Bah, rien, là, je suis en pleine mission, en fait. T'as Kurt qui est en train de travailler. C'est-à-dire moi. C'est pas chez lui, c'est chez le client. Et on s'est dit, tiens, on va modifier cette pièce qui est une chambre. Comme ils sont beaucoup, bah, on fait une espèce de multi-chambre. Ça, tu peux pas faire de mur, donc tu peux pas se séparer. Donc voilà, on va faire une multi-chambre. Donc il y a déjà 4 couchages. Crois-moi qu'il y avait besoin, parce qu'ils avaient 3 couchages en tout. Alors certes, tu peux dormir sur les transats et tout le bordel, mais bon, quand même. On met une clôture. J'ai vu le message. Ça fait petit coin-coin. J'ai envie de mettre la petite guirlande, vous savez, pour décorer en dessous. Comme d'habitude, je sais jamais où la trouver. Genre ça. Y a celle-là, mais en plus grand. Je crois. C'est fou comme je perds du temps des fois. Ah oui, elle est là. Mais casse-toi le truc là. Oh là là, c'est trop choupi. Est-ce qu'on peut les mettre en... Alors pas en bleu, hein. Bah en jaune, hein. J'ai pas changé le... La couleur. Ni bleu, ni vert. C'est vraiment... Attendez. J'ai envie de mettre... Ce pan de mur-là, vous savez, en espèce de rose. Rose orangé. Juste ce pan de mur-là. Je suis pas sûre qu'on ait ça. Je vais regarder dans les couleurs. Rose-orange. Ah! Ah! C'est pas mal! Vous en pensez quoi? C'est parce qu'il manque Martial pour dire avec moi ce qui titille. Ah, mais Martial, il est pas là aujourd'hui. Enfin, il est occupé. Guirlande tongue. Non, peut-être pas guirlande tongue, mais ça, là, c'est pas mal. Pour le coup, il n'y a pas de contrainte de temps, cette carrière, vu que c'est en mode construction. Exactement, Emmerich. En fait, il faut que tu ailles sur le terrain entre 9h du matin et 21h, le jour où tu dois le faire, la rénovation. Si tu peux pas y aller à 9h, parce que ton Sims, il est occupé, il a sa famille et tout, bah, tu dis non, ou alors il y va tout seul, je crois, un truc comme ça. Oui, sinon, il y va tout seul. C'est pas terrible. Mais en vrai, t'es en construction, donc... Faut juste aimer construire. Après, je trouve que ça peut être une très très bonne initiative pour ceux qui n'ont pas l'habitude de construire. Je vais faire tout le pion de mur là, comme ça. Qui n'ont pas l'habitude et qui veulent s'exercer un petit peu. Je trouve que ça peut être vraiment sympa.
Eh, on est sur quelque chose là ou pas? Je vais peut-être pas laisser cette couleur là, mais mettre un peu plus clair, un peu plus peps. Pas de verre, oh mon dieu, pas de verre. C'est chiant. Moyen fan du rose, bah oui, mais eux ils aiment bien, enfin c'est pas une contrainte. Donc autant rester, hein. Moi je trouve que ça colle bien avec le truc du dessous en fait, donc c'est pour ça que je trouve ça, ça fait péter. Sur 3 de mes parcelles, j'ai un retour de 2 et j'ai eu la moyenne donc valide ces matières-là. Et puis qu'attends la note et résultat de la candidature de master. Ah, c'est cool Elisa, je suis contente pour toi. Je me fais pas de soucis. C'est possible de rattraper avec un rattrapage ou pas? Je connais pas du tout moi. Vous savez, moi j'ai pas fait d'études, hein, je suis pas très intelligente. C'est pas moi qui le dis, c'est une célèbre youtubeuse. Ah bah c'est ça en fait, d'accord. C'est un peu trop. Hein. On va taper sur le blanc. Hein. Blanc, ouais, c'est bien. On va pas trop faire de truc un peu chelou. Une partie rose. Là, on a fait un peu de jaune. Je vais reprendre ce jaune. Je sais pas. Je vais le mettre là, ouais. Histoire de garder le code couleur jaune, rose, blanc, quoi. Pourquoi pas. Moi j'aime bien ce petit coin là. Hey, salut chaton, salut tous les petits chatons, je sais pas si ça s'appelle ces chatons chez toi. Coucou, bienvenue sur ce live qui est aussi une rediff pour YouTube. Où l'on... Bah on fait la carrière hein, tout simplement, j'ai commencé la carrière sur YouTube et donc on est en train de la continuer sur Twitch. Coucou tout le monde, merci beaucoup. Pour vos coucou, je pense que je vais avoir du mal à lire les pseudos tout le moment. Donc, je vais quand même lire. Hello Senouille, hello Griffus, hello Calilo, Caliliope, salut Toutify, salut Norio, salut Jadou, salut Créaval, salut Anso, salut Jadouille, salut Ratakun, salut Eloge, salut Ritania, salut Scollywog, salut Freddy Yeb. Ça j'ai lu. Salut chaton. Salut Witchy. Salut Lido Deals. Et coucou. Bienvenue. Et merci beaucoup pour les follow. Mon dieu, mais il y a trop de gens. Je vais pas savoir ça, si tu veux. Amusez-vous bien et pas savant, cher Charlie. Oui. Bienvenue chez les petits culs. Quelle que soit la taille de votre postérieur, on vous aimera quand même. Merci beaucoup pour ce raid. Ça fait plaisir. J'espère que ton live s'est bien passé. Je suis passée rapidement en soum-soum tout à l'heure. Je mousse ou la loue, tout à fait. Vous coucou allez mousser. Tous les petits chats, bienvenue ici. Merci pour vos follow au cœur. Merci beaucoup à Anso, Lilo Dils, je sais pas comment on dit, hein, n'hésite pas à me rectifier. Et Ritania, merci beaucoup pour vos follow. Enfin là, j'en ai dit que 3, mais il y en a beaucoup plus. Merci à Jadouille également pour son follow. Merci à Norios, merci à... Eh bien, voilà, bah, Twitch, il me dit que ça. Il me dit que ça pour l'instant. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Je cucu pour toi. Bah Lilo, si ça te va, la moi ça me va. La team des chatons en force. Tout à fait, merci beaucoup Ritania. Donc, on est en train de retaper une maison, une chambre ici, à Soulani, parce qu'ils sont beaucoup. En fait, comme on ne sait pas quelle pièce il faut faire, on n'en sait toujours pas, bah on se dit qu'on va retaper cette chambre-là. Et merci Eloge pour ton follow, bienvenue à toi. Et ben, ce sera Lilo, elle n'aime pas le bleu. C'était machin, il n'y avait presque plus rien. C'est pour ça. Ni bleu, ni vert, et recherche et débat. Bon, recherche et débat, j'avais déjà eu ça dans la première mission. Comme j'avais pas compris, eh ben j'ai fait n'importe quoi, j'ai raté la première mission. Merci beaucoup tout le monde, Noon, Ratakun, Jadouille et Eloge pour vos follow, merci beaucoup. Et merci. Oh, Sangohan! La classe! Je savais pas qu'il y a Sangohan sur le chat. Merci beaucoup, chaton, bonne app à toi.
Oui, merci à tous les chatons qui ont suivi le raid, évidemment, et bienvenue à vous. Et je fais également des vidéos sur YouTube, mais tous mes lives sont sur Twitch. De toute façon, c'est un peu comme chaton, comme ça, vous avez, on se connaît depuis un petit moment avec chaton. Et puis voilà, on est un peu sur la même... un peu la même chose. Enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais voilà. Moi, je fais beaucoup de challenges sur les Sims 4. Et puis, bah, bienvenue, quoi, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker YouTube. Il y a un concours en plus qui est en cours pour gagner le pack. Je vous laisse découvrir comment. Vous allez fouiller, vous allez regarder les vidéos, vous verrez bien. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Je vais mettre un miroir aussi. Alors, je vais sortir mon miroir d'amour, qui est celui de Salvadorada. Parce que je l'aime d'amour. On va le mettre en jaune. Ou en... comme ça. Ah, mais il y a déjà un miroir. J'ai pas viré le miroir là. Je vire le miroir. En vrai ici je vais mettre genre miroir. On prend le temps hein, aujourd'hui. Là je vais mettre un petit coin avec un canapé, une table basse, un truc comme ça. Un petit peu cosy en fait. Pour couper les espaces et tout. Et ici il y aura bureau, ordinateur... machin, des recherches et débats, hein. Ce sera ici, parce que comme c'est passant de cette pièce, de cette porte là, je me suis dit que j'allais pas mettre les lits ici, parce que c'est un peu... personne voudrait être dans les passages, en fait, au niveau de son lit, donc pourquoi pas, quoi. Il y a du bleu sur le tapis sous le lit parental. Non, non, c'est du gris. C'est du gris. Non, non, il n'y a pas de bleu. Logiquement, il n'y a pas de bleu. Enfin, j'espère que c'est pas pris pour du bleu. Tu me fais peur, là. Il faut mettre le podium, c'est logique, dans une chambre. Ben oui, c'est tellement logique, bien sûr, Anso, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est... Non, on va mettre, tu sais, l'espèce d'ordinateur, là. Je pense que ce sera très bien comme ça. Je vais pas chercher plus loin. Alors, on va mettre un petit fauteuil. Je vais essayer de mettre que des... Si je mettais une méridienne, plutôt... Ouais, méridienne, je crois qu'ils peuvent que dormir dessus. Alors que là, je veux qu'ils se posent un peu pour être un peu cool, quoi. Oh, le petit pouf, il est trop mignon, ce petit pouf-là. Je le trouve trop cute. Ce petit pouf-là, c'est l'amour. Alors, bien sûr, vous pouvez ne pas aimer les couleurs que j'ai mis, que j'ai collées, mais le rose et le jaune, mais bon, ça change. Puis c'est ni vert ni bleu, donc ça passe. Du coup, est-ce que vous pensez que je peux mettre des plantes? Vu que les plantes sont vertes. C'est ça le problème. C'est est-ce qu'on a le droit de mettre des plantes quand les Sims n'aiment pas? Oh, elle est grosse quand même. Hein. Ah, je vais remettre ça. Je suis chiante, mais je pense que je vais remettre mon guéridon. Reviens! Parce que je trouve vraiment trop mignon celui-là. Merci, Joukilolo, pour ton follow. Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Chaton et Charlie, vous êtes trop cool toutes les deux. Merci beaucoup, Pauline, c'est gentil. Je suis fan des badges, je vais en faire des pins. Ah bah ici, on s'appelle les petits culs, donc bah, les badges, c'est des fesses. Tout simplement. Salut Liloune, comment tu vas? Des plantes sèches, c'est pas vert, ça, du coup. Ouais, 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 après, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein. Je vais pas te le cacher, mais... Effectivement... Effectivement, ça peut coller. Ah bon, on va mettre en jaune, hein. C'est peut-être un peu bizarre, mais... Bon, ouais, ouais, parce que moi, je vais manquer... Moi, je suis une adepte des plantes dans le jeu. Si je décore, je mets des plantes. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Donc là, j'avoue que sans plantes, je commence à paniquer. Qu'est-ce qu'on va mettre? Oh là là, j'ai l'impression de mettre 10 ans pour faire la déco, quoi. D'habitude, je mets pas autant de temps. Enfin, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai mis beaucoup moins de temps. Après, on est à 5000 de budget, donc ça va, on a encore de quoi faire. Voilà, un petit bouquin, un truc. Salut Ondine, comment vas-tu? Je pense que si les plantes sont pas dans la catégorie vert, en sélectionnant par couleur, c'est bueno. Ah! Tout à fait, Sianana. Je salue là ton sens de la... On peut mettre même la limonade là-haut, tout c'est normal. Ton sens de l'analyse. Je vais mettre les bouquins là, plutôt. Voilà. Ouais, bah, je vois une citronnade. C'est bleu. Hey, change-moi ça, malheureuse.
Oh, ça va, c'est bleu et vert. Non, bah je l'enlève. Attendez, il y a une bouteille verte, il y a des verres bleus. Moi, je sais plus. Hein. J'ai peur. Ça. Ça passe, non? Ils peuvent se faire de la main. Ça, on peut mettre ça là, ici. Ok. Bon, je vais accélérer essayer d'un peu accélérer parce que sinon, on va jamais y arriver. Le miroir, je vais le mettre là. Ou bien là. Là. Ici. Là, je vais mettre le bureau. Oui, c'est là. Je sais plus où c'est d'un seul coup. Bien sûr, on va mettre le nouveau pack en avant. Allez, on va partir sur l'arrondi parce qu'on a mis déjà les trucs arrondis. Et parce qu'ils sont trop cool en arrondi. J'aime beaucoup. Je les trouve très mignons. Coup de soleil d'ici. Ah, t'as été au soleil? J'ai pas, moi, été au soleil. Enfin, j'ai pu le sentir, mais j'ai... Non, j'ai pas pu. Merci pour ton lien Instant Gaming, comme d'habitude, ton lien pour l'achat d'un jeu Mission 2, nouveau pack en cours. Ah, merci beaucoup Liloun, c'est adorable. Moi aussi, je mets des plantes partout, mais on se comprend. En même temps, je trouve ça logique. Ah, attendez. Je me trompe pas. Là, ça. Oh, mais 12 500. Ah ben non, bah je peux pas mettre l'ordinateur, alors... Bon, on va mettre ça ici, hein. C'est magnifique. Ah oui, ça c'est incroyable. On est ravis. Et tiens, allez, la petite chaise jaune qui va bien. On va mettre une petite lampe. Peut-être une petite lampe dans les tons roses. Ouais, elle est vraiment petite celle-ci. Un petit peu plus grosse. Ah, mini maison. Oui. En ce cas-là, plutôt blanc alors. Parce qu'en vrai. Comme ça, ils peuvent non seulement s'exercer, et ils se regardent en plus. C'est ça qui est beau. Ah, il est beau le bureau, hein. Il est très très beau. Au plaisir de te revoir, Witchy, avec grand plaisir. Tu peux mettre de la déco dans les casiers du giret, du bural. Du giret. C'est possible, je sais pas du tout. Du giret. Je rigole, mais... Ah, attendez. On va sélectionner plantes. Hop, hop. Attendez. Ah non, mais c'est dans afficher tout. Ah ouais, d'accord. Je remets plantes. Et je mets en couleur... Rose... Orange, jaune. Comment je fais pour sélectionner si je mets bleu et vert? Non mais regardez, vert c'est tout en fait. Donc effectivement il y a zéro plante. Vert il y a tout. Tout est sélectionné. Ça, c'est pas vert, hein. Ça, c'est pas vert. Allez, hop. Bon, on va mettre ça, hein. C'est pas vert, ça. Y a pas de vert. Ah, ça va être affreux. Ça va pas dû être, du tout être comme je le veux, mais c'est pas grave. On fera avec. Enfin, sans, en l'occurrence. Je vais mettre une petite lampe. Alors, mes lampes fétiches, c'est les lampes de mini-maison. Je les adore. Et en plus de ça, il n'y a ni vert ni bleu. Ouais, faut le mettre là. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça commence à se meubler tout doucement. Ouais. Je mettrai un petit tapis rond ici. Je vais te prendre un tapis rond, du coup. Mauvaise idée avec ma peau de blonde, mais enfin tant pis. Ah bah ouais, bah. Après c'est les premiers rayons aussi, tu vois, donc ta peau elle s'est pas habituée. Donc c'est normal, il faut qu'elle se réhabitue à être exposée, quoi. C'est normal, je pense. Ouais, ça donne du pep ce petit rose, moi j'aime bien. Bon, certains n'aimeront pas, moi je trouve ça sympa. On peut remettre un petit truc jaune ici pour donner du pep de ce côté-là. Et après, je vais mettre des tableaux. Parce qu'on peut pas mettre de plantes.
ce que je vais faire, Santolo. Si tu cliques sur le choix vert du client, tu verras tout ce qu'il considère vert et peut-être que les plantes n'en font pas partie. Oui, mais le problème, c'est que il faut les repérer. Parce que peut-être que tu vas penser à une plante ou que tu vas pas y penser, parce que comme tu les vois... En fait, il faudrait que quand on clique dessus, ça désélectionne tout ce qui est en vert. Si vous regardez là, il y a du vert, donc c'est... C'est un peu complexe. Ils auraient dû penser dans l'autre sens. Alors, je mets ça comme ça, vous inquiétez pas, on va sélectionner les couleurs. Cela, je vois qu'il y a du bleu. Hein. Merci beaucoup, Emeric, pour ton abonnement. Merci énormément pour ton soutien. Gros bisous à toi et puis smiley boule, merci beaucoup. En haut à gauche, oui, j'ai, par erreur, j'avais cliqué dessus et... Alors ça, c'est bleu. Ça, c'est rouge. Il y a une pointe de bleu, là. Vous pensez que ça passe? Oh, ça va, hein. Les autres, je vais les enlever, ça me stresse trop. Ça me stresse. On va mettre le petit lama. Voilà. Puis il faudra pas que j'oublie de mettre des trucs là aussi. Ah, il y a les plantes aussi. Il y avait les petites plantailles. Oh, les petites plantes, on va les mettre là, les plantes. Ah ben non! C'est vert, je suis con avec les plantes. Bonne soirée, Freddy! Profites-en bien, repose-toi bien. Bonne soirée également à Quentin, des bisous. Et repose-toi bien. Ah, je vais mettre celle-là plutôt. C'est éclairci. Tu vérifierais quoi? Je t'ai dit la pampa. Ouais, la pampa, ils l'ont fait bien pour quelque chose. Hein. Ils savent qu'il y avait des clients chiants qui voudront pas de plantes. Oh la vache. Non, mais ne pas aimer le vert, c'est une chose. Mais ne dire carrément, je ne veux pas de plantes. Ça me sidère un petit peu, tu vois. Ça. Il y a du bleu et du vert tout le temps. Ça, c'est moche. Au moins, il n'y a pas de... S'il y a du bleu, vous pensez? C'est pas dans la catégorie bleu-vert. Là, il y a... Vous pensez qu'il va dire qu'il y a du bleu et du vert? Ça passe, mais c'est foncé. Je voudrais quelque chose de clair, en fait. Et c'est stressant, hein. Sachant que la prochaine mission, on va faire exprès de mettre que des choses qu'ils ne vont pas aimer, juste pour voir ce que ça donne. Donc restez, si vous voulez vous marier. Déjà que là, je vais mettre 10 ans à choisir un truc. Au moins... On s'amuse, on découvre. Moi, je vois gris. Tu vois gris, mais il y a des légèrement bleus et légèrement verts. Et si vous voyez gris, peut-être qu'il verra gris, hein, c'est pas. Faut toujours espérer. Vous savez quoi? Je vais encore me plaindre, je vais encore dire. On manque de contenu de tableau. Là, relou. Ouais. Ah! Non, c'est trop petit. Ça me stresse. Alors vous allez dire, mais la meuf, elle met 10 ans à choisir un truc. Bah oui, mais bon. C'est pas évident, hein. Ah, il y a du vert. Le truc qui a rien à foutre là dans la décoration.
peut-être là. Allez, zou, on va le mettre là. Faut que je trouve un truc ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que t'as un truc à me proposer, toi? Ouais. Ouais. Non. Il y a du bleu. Ils doivent vivre un enfer, hein, parce que eux, la nature, c'est horrible, hein, tout ce vert et tout ce bleu. Oh là là. Pourquoi ils vivent là? Qu'ils aillent complètement dans le désert de chez désert, hein. Moschino. Bah Moschino, tu me plais bébé. Moschino nous sauve donc les fesses. Ça donne du jaune, du blanc, du noir pour le graphisme et la modernité. J'aime bien la petite touche rose là, ça me fait... Non, en vrai j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que il nous reste 8000? Ah oui, les décos murales d'écologie. Mais il nous reste 8000? C'est pas possible. Il y a une couille dans le pâté? Bah oui, regardez le budget. Ah non! C'est... Non, je sais plus lire. Et c'est ce qu'on a atteint déjà. Mais des ridales. Pardon, excusez-moi, je... Oh, je dis n'importe, je sais pas, ouais, je sais plus, je suis fatiguée. T'as dépensé 8000, ouais, je sais, j'ai trop... Je dis n'importe quoi. Mettre des petits ridales, hein, quand même, des petits ridalous. Là, comme ça, c'est tout dans la chambre ici. Ça donne un peu un côté... un peu plus cosy-cosy. Est-ce que si on fait ça comme ça, ça passe? Ouais, non. Vas-y, je vais les mettre dans toutes les... sur toutes les fenêtres. Ouais, je bouge la lampe parce que là elle se fait bouffer le... Elle se fait bouffer le ficus. Et nous quand on n'aime pas quand les lampes se font bouffer le ficus. Ok. On va supprimer ça. On va se mettre en mode nuit. Alors on a légèrement de la lumière ici. Attendez, ben ça je vais la mettre là-bas pour le côté hop, même deux. Comme ça, ça illumine par là. Bon, ici on a les panneaux qui sont allumés, on a la petite loupiote là. J'ai quand même une petite lampe de chevet. Oh, ça c'est cute. Pour le... Oh oui, non, franchement, c'est mignon. En mode nuit, comme ça, c'est cute. Et je vais peut-être mettre une autre lampe ici. Lampe de mini-maison. Ouais, regardez. On n'y est pas encore, mais... On commence à atteindre le budget. Salut Coralie. Salut CIC. Comment allez-vous? Les lampes plafonniers. Ouais, mais non, regarde, pour une fois, j'ai envie de... Ou alors c'était pour les enlever. Sûrement. Ça change. Ah ça, on n'est pas parti dans le vert et le bleu. Cette lampe-là est vraiment trop chelou. Hein. Elle est vraiment trop chelou. Bonne nuit Lady, des bisous. Repose-toi bien. À demain. Derrière le dressing, t'as une fenêtre buggée. Merde, je pensais que c'était un mur. Oh non. Comment... Ah bah ça va pas du tout pour le dressing alors.
crotte de noix. On va la mettre là. Oh mais ça va pas du tout. Ça rentre dans le truc. Oh ouais. C'est pas beau. Oh bah je vais devoir changer des choses, je pense. Nous allons devoir revoir, mes enfants. Tant pis pour le dressing, il n'y en aura pas. Je vais utiliser la commode du pack. Oh, elle est huge. Je pensais la mettre là, mais c'est peut-être un peu beaucoup grand. Si je la mets là, celle-ci. Fait grand quand même, hein. Ah ! C'est les clients qui ont demandé de faire la chambre pour les débuts de la carrière, t'as le choix de pièce. En fait, on te dit même pas où tu dois aller, donc nous c'est dur, on allait là. Puis on m'a demandé une chambre, donc voilà. Devant la fenêtre. C'est trop facile. Non, parce que je me suis dit, c'est symétrique avec ici. Et moi j'ai de la symétrie aiguë, donc c'est chiant. Ah, c'est bleu ça! Oh, il y a du bleu dans chaque toile. Tant pis, mais il aimera pas. Écoutez, ils vont pas être contents. Et puis c'est tout. Hein. Ah bon, ça c'est pas beau. Je supprime. Comment ça, inventaire de foyer? Mais non, il y a pas d'inventaire du foyer. Oh là 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 là, mais quel enfer! Il y a pas de commode dans cette chambre. Ils vont y vivre à 4. Il y a pas de commode. Elles sont tellement énormes. Vous savez que ça me stresse en fait. Inverse le coin canapé et penderie. Tu veux dire le coin là avec le pouf? Ça veut dire que ma toile elle va pas. Je vais la monter jusque là. Ouais, c'est tout juste. Hein. C'est tout juste Auguste, hein, comme on dit. Hein. Oh, bon, ça devrait le faire là. Merci. Merci bien. Salut Tandoori, comment tu vas? Je tombe de sommeil depuis 6h30, t'es rentré chez moi 19h30. Oh là là, ouais, tu m'étonnes. Des bisous, Pauline, repose-toi bien. Mais t'as pas regagné les sous du dressing. Ben en fait ça m'a dit qu'il y avait des trucs dans l'inventaire du foyer. Sauf que ben moi j'ai pas accès hein, à l'inventaire du foyer. Donc j'ai regagné ici, j'ai regagné pour le dressing en lui-même et peut-être pas pour toutes les choses qu'il y avait autour et au-dessus. Voilà. On va mettre une pendule. Pour le réveil matin. Réveil matin, chagrin. Réveil matin. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des produits pour le body. Des produits pour le body. Je vais y arriver. Promis. Oh.
Bon, on est bien là, non? En vrai, ça va quoi, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus. Ça fait une heure qu'on est dessus. Je pense qu'on est bien là, on va pouvoir rendre la maison. Mettons-nous en situation. Ouais, non mais quand même! Eh! Eh! Bon là, il y a le bug avec la porte, hein, mais... C'est tellement mieux! J'avais pris 2 photos, une photo d'ici à ici, une photo de là pour là, et une photo de là pour là. Moi, je dis qu'on est bien. Oui, photo, t'inquiète. Mais du coup, moi, je pense que c'est bon. Tu peux pas la réduire d'un coup, d'un coup de plus la toile. Bon, ça passe en vrai. C'est tout juste, en fait. C'est comme si c'était posé, mais ça varie que sur le bureau. Non, ça va. Ça me va, moi. Allez, Spotty. Et non, c'était pas la nuit. Il était 15h40 quand il y a été, quand même, le mec. Ah, d'accord, attends, photo après. Là, je vais enfin réussir à faire un vrai avant-après, parce que ben, j'avais pas vraiment réussi à le faire, hein, je vais pas vous le cacher. Je suis déjà... Ah oui, non, c'est ça. Alors ça, j'ai la lampe. Hein. Donc, tac, en grand, clac. Ici, on va faire... je vais vous zoomer comme ça. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader. En fait, je m'emmerde à faire aller le Sims d'un endroit à un autre, mais t'es tellement pas obligé, tu peux te balader directement comme ça. Et là... Hop. Et clic, clac, clouc. Aïe. Salut Sasuke, comment vas-tu? Un pot à crayon plus journal intime sur le bural. Oh! Fallait me le dire avant! Bon, parce que c'est toi. Si j'arrive à le trouver, hein. Le pot à crayon. Il apparaîtra pas sur les photos. Je vais pas mettre celui-là parce qu'il est moche. Il y a tellement de merdier. Là. J'avais la souris dessus. Tu vas prendre en blanc, mon petit. Tiens, voilà. Le journal intime. Oh là là, ça doit être dans compétences, ça. Oui. Oh voilà. Et en plus il sera rose et jaune à petits points. Allez go. Ça y est. Ma petite rénovation est enfin terminée. On est hors budget. Merci Sianana. Tes dernières demandes sont hors budget. Le carnet intime est bien trop cher pour... sinon on est hors budget. Donc on va s'arrêter. On a rajouté le poids à crayon, on peut pas faire plus. Je suis désolée. C'était soit l'un ou l'autre. On a fait les photos, on va dévoiler l'espace. Donc déjà je vais rappeler le client. Je sais pas qui est le chef de... le ou la chef de famille, on s'en fout. Dire au client de revenir au terrain. Ah! Alors, nous allons faire genre ça... avec ça, ça avec ça, et ça avec ça. J'ai compris maintenant comment ça fonctionne. Ouais. Je trotte. C'est hors budget. Oui, Lisa, t'inquiète pas, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? Va pas te baigner. Hein. Oui. Oh la vache, oula le conglomérat. Pa-pa-pa-pa-pam. Oh la vache. Faut que je demande l'avis aux 8 personnes, quoi. Et je trouve ça trop mignon quand ils sont tous stressés et tout. C'est trop cute. En vrai, c'est vraiment bien foutu. Regardez, ils sont là. Euh...
Go la révélation. C'est ça. Dévoiler rénovation. Allez, venez, c'est par ici, votre nouvelle chambre. Vous êtes 8. Il y a 6 couchages maintenant. Au lieu de 3. Ça va, on a doublé votre place de couchage. J'adore avec les yeux. Avec les mains sur les yeux, je trouve ça tellement cute. Je trouve ça trop cute. C'est coucou beu quoi, c'est Vas-y, je veux aller voir. Je veux aller voir. Moi aussi, je veux découvrir leur tête. Par contre, lui, il est énervé. Hein. Lui, il est stressé, il a trop de gamins dans cette maison. Waouh, ce glow up. Incroyable. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 comme dirait Julien Lepers. On dirait clairement déco sur M6. Alors? Ça découvre, hein. Bah, je crois que lui, il veut pas regarder, en fait. Il y a du bleu là. Il y a du bleu. Le bleu et le vert d'il y a dehors, c'est pas moi. Hein. Madame, je suis habillée en bleu et en vert. Regardez ça. J'aime bien ce qu'il est tout stressé. C'est trop cute. Regardez donc ce lit de place. Vous pouvez enfin dormir à deux. Ah, ils aiment bien. C'est cool. Oh, regarde, j'ai envie de prendre... Voilà, je suis désolée, je vais prendre des screens, hein, mais... Il faut que je le prenne quand il est comme ça, je le trouve trop mignon. Je le trouve trop cute comme ça. Ils ont fait une collab avec Valérie Damido. Ils ont bien fait les frissons, les mains sur les yeux et tête... Et mais regarde, c'est trop laid, là. Bah, en vrai, personne ne fait ça avec ses mains quand il est stressé. C'est moi, je le fais jamais. Ah, mais je trouve ça trop mignon. Regarde, hé hey oh. Ah, mais il le fait pour le pouf et tout. Vous aimez pas? Regardez le pupitre. Incroyable, recherche et débat. Non mais vous avez pas à vous plaindre, hein. C'est une vraie chambre ça, hein. Je suis fière de mon travail. Salut Zéro, comment vas-tu? Alors, vous êtes content, j'ai pris ce qu'il fallait. Je suis prêt à donner mon avis, Nalou, mamma mia. Mamma mia, here we go again. Bon, on va discuter avec la chef qui est sans doute... Ah, ça y est. Je crois que j'en ai assez vu. Non, mais ils ont l'air contents, non? Ils ont l'air contents? Comment ça se passe? Madame, j'aime pas le bleu et le vert. Tu vas pas raconter une blague salace, hein, dis donc. Il faut qu'il discute, donc il va discuter avec elle. Et puis après, il va demander les verdicts. Bon, votre avis, on a gagné, on n'a pas gagné. Moi, je me triture les doigts en stress quand je suis devant les gens. Je retrouve les amoureux. Ah, les animations sont cool. Bon, bah, ça a l'air d'aller. Elle valide. Alors? Elle a l'air d'être contente aussi. Ils ont l'air d'être contents. Ça va, Zéro. Ça va bien. C'est la pratique un petit peu, mais ça va. Oula. Elle a un petit souci de bras. Hein, elle a eu ses bras qui sont partis. Oh oui, carrément, le câlin. Ok, 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 ok. Eh, deux contentes. Elle, je sais pas. Elle, non.
Elle, elle aime pas. J'imagine que vous avez fait du bon travail, mais cela ne me plaît pas. Techniquement, toutes les cases ont été cochées, mais je n'aime pas le résultat. On la tue ? Hein ? Est-ce qu'on la tue ? Elle a pas encore... On va demander au gamin. Lui, il aura enfin son lit pour lui tout seul. Enfin, si oui. Il arrêtera de dormir avec sa mère, quoi. Je ne sais pas qui est sa mère, mais c'est pas grave. Salut, Lali Gaga, comment vas-tu ? Quand il a fait une bêtise, ouais. Bon, on est à 4 personnes, une seule qui ne l'aime pas. C'est pas mal. Les autres ont l'air de kiffer, hein. Non, ça va, dis donc. Limite, il va pécho avec sa redéco, mais c'est ça. C'est pas fait pour ça. On la tue après. On la tuera une fois qu'on a réussi le contrat, d'accord. Un petit clic avec le MCC. Ça se règle. Mais regarde, mais elle en pleure tellement, elle est contente. Mais c'est trop bien. Alors, demandez le verdict final. Et le verdict final. Ah non, il y a encore elle. Oh la vache, mais il y a tellement de monde dans cette famille. Bon, on aurait pu rajouter 2 de lit de plus, mais ça aurait fait trop, je pense. Voilà, une personne de plus. Mais regardez, tout le monde est content. Il y a que elle qui fait la gueule, là. Petite conne. Petite conne. Salut, Topia, comment vas-tu? Alors, et il nous reste elle. Elle est kéblo à côté du lit. Je pense qu'elle a déjà posé ses affaires. Elle a dit, c'est mon lit. Je dors là. Ah bah... Voilà, la preuve. La preuve. Mais vas-y. Mais réveille-la, wesh. Ah ouais, non, mais elle est contente. Elle dormait, c'est elle. En fait, c'est une des celles qui dormait sur les transats dehors. Mais elle s'est dit, bah ça, c'est mon lit maintenant. Par contre, le serrage de main, il est bugué par moi. Ouais, j'ai vu ça. C'est... ouais, salut. Ouais, super. Bon, par contre, on va pas rester là 10 ans, donc merci de nous donner ton avis. Voilà, merci. Avec ton piercing au nez, là. Elle est coincée. On a gagné des pesetas et des dollars simflous. On va pouvoir faire une autre mission. La 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 la. Peut-être qu'elle n'aime pas le jaune. Oui, bah tant pis. Hein. Nous avons donc gagné au terme de cette très longue heure de rénovation 546 flouzes et une amélioration de la réputation professionnelle. On reste là pour la tuer? Ouais, on est d'accord. Bah pour l'instant, c'est pas très rentable. Reste là, toi, cocotte. Comment on va te tuer? Alors, attention. Commande du Sims. Je sais plus si c'est dans ça. Maintenir le Sims. Tuer le Sims. Ah. Comment on la tue? T'as une belle voix. Merci, Griffus. C'est pas forcément vrai, mais c'est gentil. Abord, la gueule. Amor nageuse. Alors. Mort de la fièvre du rongeur enragé. Allez, vas-y. Ah ouais. Ah ouais, moi, direct. Tu vas pas demander ton reste, tu vas baver. Toi, c'est... Oh non, mais moi, je vais pas pouvoir poster des photos sur Insta avec ce genre de chambre, quoi. Genre, je dors avec mon petit frère. T'as vu ça où, toi? Voilà. Non, elle va baver et elle va tomber. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez pas le temps... Regardez! Vous n'avez pas le temps sur le MCC, c'est direct. Vous n'avez pas besoin d'un temps, machin, c'est tout de suite, ça meurt. Hamster ou pas, ça meurt. Mouche ou pas, ça meurt. T'as pas aimé Mar Déco? Étouffe-toi dans ton vomi. Voilà. Bon, par contre, maintenant on se casse. Ah mince, on peut pas. Mais je voulais pas qu'il assiste à la mort en fait. Va nager. Non, trop tard, il l'a vu. Oh merde.
Elle est morte. Elle s'est étouffée dans sa balle. Elle ne critiquera plus jamais la décoration. Pourquoi on la tue? Oui, c'est la seule qui a pas aimé sur tout le foyer. Elle mérite de mourir. C'est tout? Franchement. Ah, Jamie s'est réveillée. C'est long. Ah, pardon. Je pensais que j'étais en mode table. Non, non, mais va nager. Nage. Nage, mon petit, nage. Retourne nager. Ouais, ouais. Ah, vas-y. Voilà ce qui vous attend si vous critiquez le travail de l'agent Shirley. Exactement. Je vous tue. En un ou deux clics. T'aurais tué le gamin, il aurait sorti le champagne. C'est ça. Bon, dès qu'on peut, on rentre à la baraque. Hein. Tu viens dire bonjour, toi? Oui, la petite crevette. Oh, coucou Jamie, vous venez faire un câlin à sa maman. Tu es impitoyable tout à fait. Regardez-moi ce petit cœur. Un petit câlin à sa maman. Oui, attends, tu vas dire bonjour aux abonnés aussi. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Salut, moi c'est Jamie. Et ça fait quoi, 24 heures qu'il n'a pas été pissé quelque part? En dehors de la litière. Mais c'est un grand garçon. Mais c'est un grand garçon. Bon, bah... Si, on peut y aller? Allez, on rentre chez nous. Mais je trouve hard qu'on ne sache pas quelle pièce, exemple cuisine, salle de bain, chambre parents, enfin, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Non, moi, tu fais des gros ronds à un moment, hein. Et on rentre seul, évidemment. Voilà, on va pas se coltiner en plus des gens. Ah bah écoute, hein, si j'ai adopté des chats, c'est pour le clic, hein. C'est pour les abonnements, hein. Tu crois quoi? Ça. Oh oui, mon petit. Mais oui, mon petit. Allez, va pisser et va te sustenter. En attendant, YouTube, vu que nous sommes en rediff YouTube actuellement, je vous fais des gros bisous. Et nous, on va continuer, on va faire une autre mission, on va faire complètement le contraire. Et ben, on se retrouve du coup très bientôt pour cet épisode. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite et en même temps, à bientôt. Ciao, ciao.